le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien en ce vendredi qui est pluvieux chez nous. Il fait froid même, il fait même froid, oui. Et puis donc, bah, je suis sortie, j'ai dû prendre le parapluie, voilà. Donc on a l'impression que c'est l'automne. Bon, je ne vais pas vous parler de la pluie du beau temps aujourd'hui, c'est juste pour vous dire en fait un peu le, voilà, comment le temps il est chez nous, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui se passe du côté de Taïwan. Donc, ben ça bouge et puis ça fulmine. Hein. Les Chinois, ils sont pas contents du tout de la visite de Nancy auprès de justement de Taïwan. On sait pas trop ce qu'elle est allée faire là-bas d'ailleurs, mais pour eux, c'est une provocation. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah, regardez un petit peu les informations. Hein, ça doit traîner un peu partout sur Internet. Et donc, cette visite donc de Nancy, qui est une personne très importante hein, aux États-Unis, donc qui est allée voir Taïwan, eh bien, a été très, 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 très mal perçue par les Chinois, qui considèrent que c'est de l'ingérence dans leurs affaires. Et évidemment, ils réagissent mal. Ils sont en train d'envoyer des petits missiles du côté de Taïwan. Et est-ce que ça pourrait dégénérer cette histoire? C'est ce qu'on va regarder. Puisque j'ai beaucoup d'aspects d'explosion sur le mois d'août. Hein, je vous en avais parlé. Je t'avais dit que le mois d'août, je ne le sentais pas du tout. Puis il y a des gens qui sont très très gentils qui m'ont dit qu'effectivement il y a eu des explosions en France, alors Bergerac, merci à la personne et aux personnes qui me l'ont mentionné, et il y a eu aussi une explosion en Allemagne, je crois que c'est Berlin. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des histoires d'explosions, c'est pas des bêtises. Il y a beaucoup d'accidents aussi, enfin, on entend beaucoup les sirènes actuellement, hein, parce que les aspects d'explosion ou les aspects des aspects aussi d'accidents, hein, c'est aussi les mêmes choses. Donc c'est une mauvaise période, donc faites attention. Voilà. Alors, on va regarder un peu ce que Nancy avait en tête en allant là-bas, parce que je sais bien qu'elle a 80 balais, mais enfin bon. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi, hein. Et voilà, donc qu'est-ce que ça cache tout ça? Et puis comment ça va se terminer cette histoire? Parce que je vous dis, hein, c'est pas très bon. Alors, passe-muraille et des annonces. Ah ouais, qu'est-ce que ça va faire là, ça? Je sais pas. J'ai le passe qui ressort. Passe-muraille, c'est aussi quand on veut se faire discret. Ouais, ah, c'est amusant ça. C'est marrant parce que apparemment, c'est plutôt le fait que bon, elle faisait une visite en passe-muraille, donc plutôt comme ça, passe-partout, passe-muraille. Mais que finalement. Eh bien, effectivement, sa visite a été très mal perçue et a donné lieu à des annonces, vous voyez, avec la foudre. Alors, a priori, je ne vois pas l'intention de provocation, mais on va quand même regarder quelles étaient les intentions de Nancy en allant là-bas. Hein, passe-muraille, c'est plutôt, en fait, voilà, on y va comme ça, discrètement, mais enfin, bon, c'est un peu curieux. Donc, quelles étaient les intentions de Nancy en allant là-bas? Ouais, donc c'était un peu secret. Bon, là, il est question de parasites. Pour atteindre quelque chose, un but. Alors là, on a le soleil. Donc, on va revérifier tout ça, parce que là, pour l'instant, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'elle avait en tête? Mais il y a un but à atteindre. Et là, c'est plutôt le succès, hein. On ramène des poissons dans les filets. Ok. Et là, c'est effectivement une visite un peu cachée ou un peu secrète. Je sais pas trop. Il y a des trucs qui sont cachés là. Le coup du frigo là, par contre, je sais pas. Alors ça peut être elle justement. Bon, elle n'est pas aussi jeune, je sais bien. Mais on se met devant le miroir et c'est une autre image. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une image qui n'est pas celle de la réalité. Alors, est-ce qu'on se trompe soi-même ou est-ce qu'on trompe les autres? Un truc là. Mais le renard, il y a une tromperie. Il y a une tromperie. Donc, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'en fait, il y a une tromperie. Ça, c'est elle. Et il y a quelque chose qu'elle veut faire croire. Voilà. Mais alors, pourquoi j'ai le frigo? Je sais pas. Regardez. Donc là, les singes. Je ne sais pas ce que ça vient faire là non plus. Ah, il y a des cartes. Parfois, elles ne sont pas faciles, hein. Il y a des singes qui lisent, il y en a un qui lit le journal et l'autre qui fait des bulles. D'accord. Alors là, son but. Alors là, c'est intéressant parce que là, j'ai le but qui conduit à justement un truc qui explose, justement, parler d'explosion. Donc il y a de la provocation finalement. Hein. Finalement, le Dixit, lui, me dit que il y a le but à atteindre qui est de tout faire exploser. Hein. Là, les deux cartes,
Elles sont parlantes, par contre. Ouais, hein, on gravit la montagne. Bon, là, c'est les ghettos, mais enfin, peu importe. Hein, c'est en fait le but à atteindre avec les histoires de récompense. Hein. Le petit bonhomme, il est tout en haut de la montagne. Donc, on a bien un but à atteindre qui est de tout faire exploser, de faire le chaos. Ok. Ah ben oui, regardez. Et ça, c'est un feu qu'on en allume. Et en plus, ils sont en train de faire, enfin, quand je dis ils, c'est les Chinois, hein, ils sont en train de faire justement des manœuvres militaires et d'envoyer des missiles dans les eaux de Taïwan. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu et c'est bien dans les eaux. Donc, il y a les cartes ici me disent qu'il y a bien des histoires de buts à atteindre par rapport à un chaos que l'on veut provoquer, ramener des choses dans les filets. Donc, oui. C'est bien le pareil, hein. C'est quelque chose que l'on fait avec succès. On a patte, en fait. Et cette carte-là, elle est formidable, hein. Franchement, je n'ai pas toutes les cartes de Dixit en tête, puisque j'en ai plus de 300, comme vous le savez, si vous me suivez. Mais là, on allume le feu qu'on retrouve ici sur l'eau. Donc oui, c'est bien ce qui est en train de se passer. Alors, par contre, là, je sais pas. Il y a deux personnes, il y a deux singes. C'est curieux parce que. C'est comme si, en fait, il y avait eu un accord secret entre deux personnes. Je dis secret parce que c'est la nuit et on voit que c'est caché. Et ce sont deux chefs indiens. Donc, j'ai envie de dire que c'est quelque part voulu entre deux personnes importantes. On retrouve encore deux personnes ici, des singes. Sauf que je ne sais pas de qui il s'agit, mais on a deux fois deux personnes et il y a des. Comment dire, ce sont des personnages, il y en a un. Alors, il y a des choses un peu symboliques où. La pyramide renversée, ici il y a une clé, et là on lit un journal. Donc c'est comme s'il y a des gens en fait qui s'inquiétaient pas et qui avaient déjà planifié. Il y a des choses de planification là. Par contre là, ben je sais pas trop. On va regarder ce que c'est. Ça c'est les questions d'éventuellement de pénurie ou de parasites. Alors, est-ce qu'elle a joué les parasites justement? J'ai pris ce tas-là. Hein. Bon, on va prendre ce tas-là. Mais ça c'est elle, hein. C'est elle qui parade. Voilà, les beaux vêtements. Et c'est une tromperie puisque c'est le renard. Hein. Je ne vous ai pas tout expliqué, parfois je vais trop vite. Mais là, il y a vraiment une tromperie. Oui. Donc en fait, elle a dit quelque chose, elle a fait croire quelque chose, mais il y a autre chose qui est montrée par cette carte-là. Donc, est-ce qu'elle veut jouer les parasites? Un truc là. On va remettre une carte sur l'histoire de frigo. Là, il y a un accord qui est secret, à mon avis, entre deux personnes importantes. Ben, et là, par contre, c'est mal barré. Hein. Les Chinois, attention, hein, il faut penser à des guêpes. Vous savez, les guêpes, faut pas les énerver. Hein. Je sais pas si vous avez déjà été près d'un nid de guêpes. Nous, on en avait quatre dans le toit. Heureusement, on les a fait déloger, mais je peux vous dire qu'on faisait attention parce que quand il y avait de la chaleur, elles étaient énervées. Et ben là, c'est pareil. Les Chinois, ça fait penser à des guêpes. Voilà. Donc, il faut être très, très prudent avec ces gens-là parce que tout de suite, sinon, ils s'énervent pour un oui et un non et ça peut faire très mal. Alors, là, on a des mesures qui sont du n'importe quoi. Donc, on a des mesures. On a des mesures, ouais. En dépit du bon sens, ouais. Là, on a encore les choses secrètes, hein, le trou de la serrure. Bon, donc. Déjà, je dirais que cette histoire de visite inopinée, qui était faite pour provoquer, comme on l'a vu, il y a un accord secret à ce niveau-là, entre deux personnes. Je ne sais pas qui, par contre, je ne peux pas vous dire. Ici, on a encore l'histoire de flamme, justement. Ok. Et là, encore des choses secrètes. Hein. Bien, bien, bien. Et c'est encore l'eau, la carte de l'eau. Ok, donc on a de l'eau et le feu. On allume le feu. Et tout le monde regarde. Ça, c'est les reptiliens qui regardent, ou en tout cas, c'est des monstres un peu qui regardent. Il y a quelque chose là. Bon, là, par contre, je sais pas. Les histoires de frigo, si vous avez des idées, allez-y, mais c'est le parasite, hein. C'est les parasites en fait qui ont tout mangé dans le frigo et qui ressortent. Donc il y a la notion de nuire. Ah là, oui, c'est ça en fait. C'est les parasites, c'est les nuisibles. Bon, donc c'est en fait, je dirais que c'est une visite nuisible. On peut le voir comme ça. Donc très nuisible. Puis en plus, il y a un serpent là. Ouais. Donc c'est du n'importe quoi. Ça va donner lieu à du chaos, à du n'importe quoi. On est d'accord.
Là, quelque part, même si c'est nuisible, et s'il y a une tromperie, et c'est du n'importe quoi, ça a été programmé par je ne sais pas qui. Alors, comment ça va continuer tout ça? Parce qu'il y a des choses secrètes ici. Est-ce que ça va dégénérer? Parce qu'attention, hein, est-ce que ça va dégénérer? Alors là, ouais, donc vous voyez, hein, ça c'est. Alors là et là, il y a deux choses un peu contradictoires. Là, c'est un peu une espèce de d'illusion, un oiseau lyre. Mais là, on a vraiment l'envie de frapper. On a trois personnages ici. On a un qui a une hache, l'autre qui a une espèce de matraque, et l'autre avec le sac du voleur. Donc attention, c'est une embuscade. Une embuscade pour voler ou pour faire mal. Donc c'est les attaques actuelles de la Chine, hein, dans les eaux, effectivement. Ils peuvent même couler quelque chose, parce que là, vous voyez, en fait, c'est un lit, mais c'est quelque chose qui est coulé, qui est au fond de la mer. Donc ils peuvent vraiment détruire des choses. Alors là, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va intervenir? L'oiseau lyre, c'est un bel oiseau normalement, pour calmer un peu le jeu. Parce que là, pour l'instant, c'est mal parti, hein. Donc là, oui, il y a quelqu'un qui va essayer d'annoncer des choses. Enfin, qui va annoncer des choses, en tout cas. OK. Ouais, vous voyez, vous avez encore le lion. Donc ça, c'est la puissance. Mais avec toujours les renards. Donc la tromperie. Ah, il va y avoir des discussions. OK. Il va y avoir des discussions. Alors, à mon avis, pour calmer les choses. Mais alors, qui c'est qui va intervenir, là? Alors, toujours des cartes bizarres. Il y a quelqu'un qui se met en route. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va aller là-bas. Mais je pense pour calmer le jeu. En tout cas, il vaudrait mieux, hein, parce qu'on n'a pas besoin de ça en plus. Ouais, pour faire revenir la paix. Bon, il va y avoir des discussions un peu diplomatiques. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se mettre en route. Là, on a un petit bonhomme et puis il y a de la vapeur avec un outil. Donc, quelqu'un qui va se mettre au travail pour essayer d'arranger les choses. OK. Mais attention, là, il y a la puissance. En fait, ils vont affirmer leur puissance, les Chinois, hein. Ça, c'est vraiment le lion souverain. Mais attention, parce que, il y a des tromperies, hein. Bon. Donc, là, Nancy, vous avez compris, hein, c'est du n'importe quoi, mais quelque part, ça a été fait pour provoquer. Alors, est-ce qu'elle veut provoquer une guerre? On va poser la question. Ouais, regardez, voilà, c'est ça que je sors. Bon, oui. Donc, il y avait effectivement le désir de provoquer une guerre, puisque au moment où j'ai posé la question, j'ai eu ça. Ça se passe de commentaires, puisque vous avez une formation ici armée, avec des choses qui tombent dessus. Donc, oui, elle a effectivement le désir de provoquer une guerre. D'accord. Bon, on a la confirmation ici, j'en ai pas tant que ça de cartes avec l'armée. Alors, est-ce que les Chinois vont continuer leur action? Alors, c'est quoi ça? Il y a un truc qui est cassé, hein. Ouais, donc ça va faire des dégâts, hein. Bon, ils vont, à mon avis, ils vont détruire des trucs. Je peux pas vous dire mieux, hein. Je sais pas exactement, mais il y a des choses qui vont être cassées. Voilà. Puis alors, il y a une petite salamandre à côté, c'est amusant ça. Toujours les petits reptiles à côté. Ouais, alors là on avait vu qu'il y avait la volonté de réprimander, hein, ou de faire du mal. Et là, on avait vu un feu que l'on allumait dans les eaux de Taïwan, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc pour l'instant, j'ai pas de guerre vraiment déclarée. On a vu qu'il y a quelqu'un qui va essayer aussi d'intervenir, mais on a des choses qui cassent. Donc il y a des choses qui risquent d'être détruites, d'être bombardées, on va dire. On va regarder plus en détail. Ouais, il y a vraiment un danger, hein, parce que vous voyez la baleine ici. Donc la baleine, c'est encore les eaux. C'est un danger qui arrive là. Attention, attention. Alors, il y a une espèce de cadeau que l'on veut soulever qui est trop gros. Ouais. Des choses importantes au niveau du monde. Et encore les questions de lumière. Bon, moi, pour moi, le cadeau, c'est justement, c'est Taïwan, hein. Ça, je crois que c'est la volonté de la Chine de l'intégrer, justement, à 100%, d'intégrer la Taïwan à la Chine, hein. Vous savez que c'est quand même un statut plus ou moins indépendant, hein. Bon. Mais ça, il voudrait bien le récupérer, à mon avis.
Et je crois qu'ils vont certainement le spécifier, parce que là j'ai de la lumière, donc ils vont faire valoir leurs droits sur Taïwan. Ils vont réaffirmer leur position très nette en disant c'est à nous, hein, pas touche. Mais est-ce que ça va dégénérer? Donc là, il y a des trucs secrets encore. Elle est marrante cette carte-là. Un cornet de glace qui se cache. Ouais, parce que tout le monde veut l'avoir. Ouais. Donc là, Taïwan va avoir une position, on va dire. Le cornet de glace, c'est Taïwan. Hein. Tout le monde voudrait hop, prendre le cornet de glace qui se sent menacé. Ouais, donc Taïwan va être dans ses petits souliers. Pour l'instant, je vois pas de guerre-guerre. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Hein. Ça va être vraiment panique à bord. Alors, on va reposer la question. Est-ce que finalement, il va y avoir déclaration de guerre ou pas? Mais il y a des trucs qui vont être cassés. Hein. Ok. Alors, il y a une position difficile. Oh, il y a une cible qui va être atteinte. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être l'oligarchie. Ou ça peut être justement la Pélo, hein, la Nancy, ici, qui se dit oups. Oups. Quelque part, oui. Et là, j'en ai un qui va se trouver de plus en plus isolé. Alors, est-ce que ça pourrait être justement le fameux Joe? Je crois qu'il s'est désengagé de son action à elle. Hein. Enfin bon. Il pourrait quand même être critiqué. Hein. Moi, je me demande si on y voit plutôt le Joe, là. Hein. Le fait que, finalement, la Nancy, elle fait ce qu'elle a voulu. Je pense que c'est vraiment elle. Hein. Eh bien, ça va lui retomber dessus à lui. Hein. Il va être très très critiqué, même si apparemment il est en train de dire qu'il n'a pas du tout donné l'autorisation à Nancy d'agir comme elle l'a fait. Mais bon, il est censé gouverner ses troupes, hein, bon. Donc il va être lâché de plus en plus, lui. Et là, il y a une action qui a du succès. Attention, attention. Ouais, alors ça, c'est vraiment le temps, hein. Ça, le temps lui est compté à lui. Hein, c'est un espèce de sablier avec du sable qui s'écoule. Et le bateau, pour moi, il va vraiment partir. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Ça va encore plus affaiblir sa position. Alors là, il y a bien des histoires de projets. Et là, ça, c'est toujours la Nancy. Oh, ben, elle, bon, ben, elle n'est pas trop inquiétée, curieusement. Mais il y a des histoires d'argent. Moi, je me demande si on l'a pas payé pour agir ainsi. Elle a atteint ce qu'elle voulait. Hein. Alors, le projet, c'est quoi là? Le projet avec le linge, d'accord. Alors, attendez, parce que là, j'ai encore un truc de missile. Ça c'est laver le linge. Alors, je vais essayer de voir ce que c'est, hein, d'accord? Laver le linge. Ouais, donc c'est un scandale. Ouais, donc c'est un scandale qui va vraiment éclater, effectivement. Oh là là, d'accord. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, ok. C'est pourquoi je dis aïe, 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 aïe. Et parfois j'ai les pensées qui vont plus vite que. Hein. Mais ça veut dire que. Effectivement, bah vous savez que tout ce qui est puce électronique, machin, truc, c'est fabriqué à Taïwan. Et à mon avis, il va y avoir des difficultés à s'approvisionner là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles on a plus accès là. Alors, c'est pas forcément les bijoux, mais c'est des choses précieuses. Ça fait penser à des petits trucs de métal là. Bon, alors ça, c'est un scandale qui va en fait éclater. Et là, alors le projet. Je sais pas exactement, mais ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai ça. Là, ça peut être des drones. Je sais que je vous l'ai sorti avec une autre signification dans le précédent tirage, mais c'est des choses métalliques. Hein? Donc, il y a des histoires de drones. Il y a des histoires de secours éventuellement médical ici et de bouteilles d'oxygène. Donc attention parce que cette histoire-là, ça peut même donner lieu à des attaques qui feront des blessés. Il peut y avoir des secours qui sont envoyés par drone. Parce que là, je mets cette carte-là évidemment en correspondance avec celle-ci. Là, vous voyez très bien qu'on a des attaques dans le ciel. Hein. Et c'est. Voilà, il y a un trou dans le ciel. Il y a quelque chose qui casse. Donc les Chinois vont peut-être pas s'arrêter là. Alors, sans aller vers une guerre, on va dire, mondiale.
J'ai quand même l'impression qu'ils vont envoyer des coups de semonce, un peu comme les missiles là, qui pour l'instant atteignent les eaux, mais attention, ça pourrait aller plus loin avec les problèmes économiques que ça va générer après. Et donc ça va être vraiment un scandale. Alors le projet, ben on va voir, ça se trouve c'est ça, c'est leur projet. On va voir ce que c'est. Ouais, alors là, ah ben en plus c'est chinois, c'est amusant. C'est les lanternes chinoises. Ça c'est drôle, hein. C'est vraiment ça, hein. Les lanternes chinoises avec le dragon. Bon, on est bien dans le projet. Oui, d'accord, ok. Bon, ça, c'est en fait le fait, ça, c'est Taïwan. C'est vraiment le fait que Taïwan, c'est leur bébé, quoi. En gros, c'est ça. Et ça leur appartient. Hein. Ils veulent vraiment, voilà, annexer, mais à fond, le Taïwan à la Chine. Hein. C'est vraiment, c'est ça leur projet. Et puis, encore une fois, c'est leur bébé, quoi. Ouais, ils vont pas laisser Taïwan s'échapper, hein. Avec avoir des velléités d'indépendance. Non, non, non. Ils vont vraiment réaffirmer leur position et l'appartenance. Enfin, le fait que Taïwan leur appartient. Oui. Vous avez ici. Là, ils vont vraiment être clairs sur le sujet. Bon. Donc, c'est ça. Donc, attention. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une guerre mondiale? Je n'ai pas l'impression, mais ça risque d'être limite. Hein? OK? Donc, ça, c'est encore l'histoire de barrières. Ouais, c'est aussi le changement éventuellement que les éoliennes, hein, ça tourne. Alors, barrière, changement. Là, il pleut, ouais, donc, bof, hein. Alors là, il y a un roi. Alors, ben, ça peut être celui qui gouverne la Chine, avec la tromperie. Ouais, vraiment, les histoires de tromperie. Ben, ça va être juste, hein. Moi, je pense qu'on va y échapper à la fameuse troisième guerre. Mais, ouf! De justesse, hein. Bon, là, on a la tête hors de l'eau. Et je crois quand même qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes, encore une fois. Peut-être pour commercer avec Taïwan. Il y a quelque chose comme ça, là. Ouais, parce que, vous voyez, ils vont vraiment faire des annonces. Ils sont vénères, comme on dit. Vous me passerez l'expression. Je trouve que c'est sympa de dire vénère plutôt que de dire énervé. Mais là, ils vont vraiment être vénères, hein. Là, il y a l'annonce, mais la grosse annonce, là. On voit très bien avec l'espèce de haut-parleur ou de machin truc, là. Vous savez, c'est avec le disque, hein, pour, voilà. Vraiment pour faire porter le message. Et le message va être très énervé, hein. Donc attention les Chinois, hein, ils rigolent pas, hein, ils rigolent pas. Voilà, vous avez ici encore le fait qu'on n'est pas content. Donc pas content, ils sont tout rouges. Moi c'est plutôt ça, c'est celui-là que j'ai regardé, c'est pas trop celui-là qui rigole. C'est celui-là que j'ai regardé et là ils aiment pas qu'on se fiche d'eux. Hein. Et ils vont le dire haut et fort. Ben voilà, regardez. Donc oui, ils vont envoyer vraiment des coups de semonce. Bon, ils sont déjà plus ou moins en train de le faire, mais à mon avis ça va s'accentuer. Bon, alors il annonce quelles vont être les conséquences pour elle, tiens. On va essayer de voir si ça sort. Alors là, il y a un cadeau. Ouais. Ben, en fait, je dis, hein, il y a quelque chose qu'on lui a donné pour avoir justement cette influence-là. Donc, elle, je crois qu'elle s'en fiche. Hein. Pour moi, il y a eu un accord qui a été fait avec elle. Hein. Et donc, voilà, trahison. Donc, on lui a demandé vraiment de faire un coup en. Voilà, c'est le chat siamois, ça. Vous savez, c'est toujours le chat qui fait les coups en douce. En tout cas, j'ai pas dit que les chats siamois, ils étaient comme ça. Mais sur la carte, le chat siamois, c'est synonyme de trahison. Donc, on lui a donné quelque chose, on lui a fait un cadeau pour qu'elle agisse ici, au niveau du monde, donc au niveau de la Chine, hein, et qu'il y a une trahison. Oui, tout ça, c'est un accord secret. Hein. Bon, je ne la vois pas trop inquiétée. Non, éventuellement. Attendez, je vais dans l'autre sens. Difficile à dire. Ouais, éventuellement, elle peut prendre ses clics et ses claques. Hein. Il y a quelque chose qui bouge ici. Voilà, bon. Mais c'est tout, quoi. Enfin, elle n'ira pas en prison ou quoi que ce soit. Non. Non. Puis en plus, c'est amusant parce que j'ai les abeilles ici. Qui transportent des enfants ou des bébés. Donc les abeilles, ça fait penser aussi à une attaque. Hein, parce que les abeilles, elles ont évidemment des aiguillons. Mais ça, c'était en projet. Hein. Ouais, non, non, mais ça a été voulu tout ça. Elle a eu quelque chose. On lui a offert quelque chose, que ce soit de l'argent ou autre chose d'ailleurs, hein, pour faire ce qu'elle a fait.
Voilà. Pour faire des coups en douce. Ça, c'est sûr. Et pour aller fiche le bazar. Et ça va marcher. Mais je crois quand même, malgré tout, qu'on devrait avoir la garde et la tête hors de l'eau. Donc ça ne devrait pas s'envenimer, mais on va avoir chaud, hein. Est-ce que le jeu peut me confirmer que les choses n'iront pas plus loin? Alors ouais, donc il y a bien quelqu'un qui va se mettre en route là-bas, hein. On l'avait déjà vu ici, juste au début, avec le petit bonhomme. Il y a quelqu'un qui va se mettre en route pour aller calmer les choses. Ouais, pour ranimer un peu éventuellement, comment dire, la confiance. Oui, c'est ça, en fait, chercher le mot, hein. Mais alors, ça va pas être facile, hein. Vous voyez le petit bonhomme, là, il veut aller chercher une fleur, mais juste à côté. Alors, on a un robot, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a un robot. Ouais, bon, ok. On a des trucs qui sont un peu cassés ou mis sur le côté, qui sont rebuts. Donc, ça va pas être facile. Donc, ça, c'est des choses qui vont pas forcément fonctionner. C'est marrant parce que 007, ça fait penser à James Bond. Ouais, donc c'est un peu l'agent secret qu'on envoie. C'est pas impossible non plus. Là, il y a la partie tennis. Ouais, non, mais ça va négocier tout ça. Il va y avoir des envois diplomatiques pour arrêter, hein. Et vous voyez, là, pour atteindre un but, mais ça va être instable, hein. Instable. Ouais. Ça peut durer quelques semaines comme ça, hein. Alors, on va encore nous raconter des cracks, évidemment. Voilà, toujours là. Ça peut être encore la Nancy ou l'oligarchie. Alors, il y a quand même une protection, donc ça c'est bien. Oui, on protège la terre. Il y a toujours une protection, c'est amusant, hein. Il y a toujours une protection au niveau de la terre qui fait qu'on évite toujours le nucléaire. Hein, ça c'est la terre qui est comme une huître perlière. Donc la terre, c'est quelque chose qui est très beau. C'est comme une perle, il faut absolument la préserver. Et là, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui intervient. Ça, c'est un animal mythique et c'est la protection divine ou céleste qui fait que ça ira. Mais attention, c'est un coup de semonce. Voilà. Bon, ben, on verra bien. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis, ben, croisons les doigts pour effectivement que ça soit juste, hein, protéger la Terre, qui est un joyau et qui ne doit pas être détruite, parce que si on a une troisième guerre mondiale, c'est foutu, on est d'accord, hein? Bon, allez, je vous fais la bise, et puis je vous souhaite quand même malgré tout bon week-end. À bientôt, au revoir.